Oui, je suis venu faire le point auprès du président de la République sur la situation au Népal et en particulier la situation de nos compatriotes. Bon, au Népal, vous savez, le désastre, puisque bon, l'ampleur du séisme a été telle que le Népal est en ruine, on peut dire ça ainsi. Et la liste, le nombre des victimes ne cesse de s'alourdir. En ce qui concerne les Français, nous déplorons malheureusement la mort de deux de nos compatriotes. Nous avons identifié déjà plus de 1500 Français que nous avons pu recenser, qui sont sains et saufs. Il nous reste à localiser précisément 676 de nos compatriotes. Et nous le faisons par les méthodes que nous utilisons d'habitude. Nous avons déjà envoyé sur place une dizaine de précurseurs, c'est ainsi qu'on les appelle. Ce soir même, il y a un avion qui part, qui sera sur zone demain, avec une trentaine de personnes qui pourront aider et qui sont des spécialistes. Et dès mercredi, nous aurons 40 tonnes d'aide humanitaire qui seront là-bas. Dans des situations, dans des circonstances très difficiles, puisque le temps est mauvais, la piste de l'aérodrome rend les choses très compliquées, et puis évidemment, les secours sont très délicats à organiser. Une partie de notre personnel qui était en Inde est venue renforcer notre personnel qui est au Népal. Nous travaillons très bien, et je veux les saluer, avec les organisations non gouvernementales, et il y a une coordination européenne qui est en route. Et je tiendrai l'opinion au courant, au fur et à mesure, des informations que nous avons. Et le président de la République m'a demandé d'assurer à nouveau le peuple népalais et le gouvernement népalais de tout notre soutien que nous concrétisons dès maintenant. Voilà. Vous rajoutez d'autres victimes françaises ? Oui, malheureusement oui, parce que d'une part, la secousse a été extrêmement forte, et d'autre part, il y a le phénomène qu'on appelle des répliques. Il y a en particulier une personne qu'on a vue disparaître dans le lit d'une rivière. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, nous faisons le recensement de toutes les personnes, en liaison avec les tours opérateurs, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de touristes là-bas, pour établir la liste. Et je redis que tous ceux qui le souhaitent peuvent se signaler auprès du centre d'appel du Quai d'Orsay, qui a reçu déjà un peu plus de 10 000 appels, mais qui est à disposition, bien sûr. Voilà. Vous êtes en contact donc avec les familles de Français sur place ? Oui. Merci.